pour parler des objets connectés et d'un projet bien concret. Donc, je m'appelle David Bruyant et je représente la société Ants, jeune start-up, mais j'en parlerai un peu plus tard. Open Innovation Lab, pardon, jeune société. Et je vais vous parler du projet Six Elements. Juste en introduction, je vais juste parler une seconde de moi. Je suis traducteur. Je prends des idées et puis je les transforme en code qui marche. Enfin, on essaye. Et c'est un peu tout ce qu'on fait. Je suis citoyen, engagé, énervé. Énervé dans le bon sens du terme, pour créer des choses positives. Et c'est un peu ça qui amène Six Elements. Cette présentation va être très simple. Il y a une slide. C'est un peu trop gris. Bon, c'est pas très grave, on va y arriver. Et j'ai des images, j'ai des tweets, j'ai des démos à faire en live, etc. Donc ça va être assez mobile, assez dynamique. Si vous avez des questions à n'importe quel moment, vous n'hésitez pas. Je vais parler de choses techniques, de choses pas du tout techniques. On va parler de capteurs. Ça va pas être, c'est pas centré. Mais si vous voulez que je parle plus de capteurs, je pourrais parler de capteurs, d'objets connectés, etc. Je vais parler de la vision du contexte, du cadre général, de sur quoi on s'appuie. Je vais parler ensuite de la partie technique. Si je suis trop technique, vous me dites d'arrêter. Si je suis pas assez technique, vous me dites, n'hésitez pas à me poser des questions. Et ensuite, je vais parler de l'organisation générale du projet, des partenariats, etc. Le contexte général, c'est les déchets, la quantité de déchets produite en France, notamment en Gironde, augmente. Ça réjouit personne. Il y a des objectifs qui sont donnés pour la réduction des déchets, et puis on n'y arrive pas. Donc il y a deux façons de collecter les déchets. Il y a le porte-à-porte et il y a les déchetteries. Donc le porte-à-porte, c'est un camion à un, et déchetterie, c'est déchetterie. En Gironde, là, depuis récemment, il y a plus de déchets qui arrivent en déchetterie que la collecte au porte-à-porte. Et ça inquiète un peu les déchetteries, parce qu'ils se disent « Ah merde, il va falloir qu'on crée plus de déchetteries ou qu'on s'organise plus. » Donc c'est du boulot, les déchets. Et donc se pose la question de et s'il y avait moins de déchets qui arrivaient en déchetterie, c'est un peu l'objectif. Alors c'est l'objectif, on va faire ça comment? En fait, on va s'appuyer sur deux choses. Il y en a un, c'est l'explosion de toutes les solutions d'économie circulaire, qu'on appelle économie circulaire, tout ce qui est don, tout ce qui est recyclage, tout ce qui est, il y a des solutions par dizaines. Qui est lié à une réalité des déchetteries, qui est que beaucoup de déchets qui arrivent en déchetterie, le compte est, on n'a pas vraiment le compte exact, peut-être jusque la moitié, peut-être plus, qui arrivent en déchetterie sont des objets qui sont réutilisables. Il y a beaucoup de gens qui jettent des chaises qui marcheraient très bien, il y a d'autres gens qui pourraient s'en servir comme chaises, mais non, ils les jettent. Et le problème entre guillemets de ça, c'est que dès l'instant où la chaise elle est tombée dans le bac à bois, c'est plus une chaise, c'est du bois. Ça sera recyclé. 75% des déchets en déchetterie sont recyclés, donc c'est très très bien. Mais ils sont recyclés matière. C'est-à-dire la chaise ne sera plus jamais une chaise. En parallèle de ça, vu que la quantité de déchets qui arrivent dans les déchetteries augmente, c'est aussi parce qu'il y a plus de personnes, les gens font plus la queue. Il y a un autre problème qui est que quand un bac est plein, soit on est obligé de jeter dans le tout venant, soit on fait une autre déchetterie, ce qui est frustrant pour les usagers. Alors on prend tout ça, on secoue très fort, et on arrive à Six Elements. L'idée c'est quoi? C'est la personne qui prépare son aller en déchetterie, elle va regarder sur son téléphone portable, sur son ordinateur. Elle va regarder l'état des déchetteries environnantes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de monde en ce moment, l'information en temps réel. Est-ce que les bacs pour mon déchet sont pleins, c'est-à-dire est-ce que je vais me faire rejeter, parce qu'aujourd'hui ça c'est une information, on va en déchetterie, on fait une prière, et des fois elle n'est pas exaucée. On est optimiste quant au fait que cette frustration des usagers va nous amener des gens et faire qu'ils aient envie de,
Alors, on n'a pas encore décidé du format, mais d'installer l'application ou d'aller sur le site web. Et c'est un piège. Et c'est un piège parce que dès l'instant où ils nous ont dit où est-ce qu'ils sont, pour qu'on leur donne les informations des déchetteries les plus proches, dès l'instant où ils nous ont dit où est-ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent jeter, on peut leur proposer des alternatives. Ah, tu veux jeter une pile de vêtements, mais les jette pas. Fais du don à la Fondation Abbé Pierre, j'en sais rien. Ah, ta machine à laver, tu veux la jeter? Bouge pas, on a un partenaire, il va venir carrément chez toi, même il va te donner de l'argent pour la récupérer, cette machine à laver, pour la réparer, etc. C'est ainsi qu'on a espoir, c'est pas encore fait, on y travaille, c'est ainsi qu'on a espoir de réduire la quantité de déchets qui arrivent en déchetterie. Donc là, j'ai expliqué vraiment très haut niveau, etc., donc c'est toute la partie du haut. Là, après, la partie technique. Donc il y a 2-3 trucs à réaliser. Il y a une application mobile où on donne de l'information en temps réel sur les niveaux des bacs et sur l'affluence en déchetterie. Et j'ai oublié un tout petit point de valeur ajoutée. C'est, on peut faire aussi la prédiction, c'est-à-dire que si la personne, on lui a annoncé que les 5 déchetteries autour de chez lui, il va faire 2 heures de queue, on peut lui dire « Vas-y plutôt mardi à 16h parce que bon, on a fait des algos de prédiction et on a remarqué qu'il y a de grandes chances que la déchetterie soit libre pour ce type de déchets à ce moment-là. Donc voilà. Et donc, pas mal de choses à réaliser. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les objets connectés, les capteurs. Alors les capteurs, je vais donner un exemple de capteurs. Parce qu'on les a finis, on a fini un premier jet et tout marche et tout, là, assez récemment. Donc là, vous en avez 3. C'est basé sur un truc qui s'appelle Odroid. C'est un peu comme un Raspberry Pi, mais un peu plus puissant. Raspberry Pi, ouais. Qui est-ce qui connaît, c'est bon ? Ouais. Okay. Bon, c'est un peu la même idée, voilà. C'est des cartes à puce qui permettent de prototyper très rapidement. On a des ports USB, pas USB, réseau, un peu dans tous les sens. Donc ça, c'est le premier capteur qu'on a fini assez récemment. Alors l'objectif de on a 2 capteurs. L'objectif de celui-ci, c'est mesurer l'affluence en temps réel dans la déchetterie. Pour l'instant, la manière dont on fait, on va expérimenter avec ça. Si les résultats sont suffisamment précis, on n'ira pas plus loin. S'il faut expérimenter d'autres stratégies, on expérimentera d'autres trucs. Là, pour l'instant, la petite antenne blanche, ce qu'elle fait, c'est juste elle écoute les devices qui cherchent du Wi-Fi. C'est-à-dire là, par exemple, mon téléphone cherche un Wi-Fi, et donc il émet régulièrement, il dit « je cherche un Wi-Fi, je cherche un Wi-Fi, je cherche un Wi-Fi ». Ben, nous, on capte ça. On capte le nombre d'appareils qui cherchent du Wi-Fi, et ça nous fait un proxy pour l'affluence. C'est-à-dire, c'est pas le nombre de gens, parce qu'il y a des gens qui en ont 2, il y en a qui en ont pas, donc c'est pas... Ça nous donne pas la réponse directement, mais si on a un comptage manuel une fois de temps en temps où on peut croiser avec d'autres données, après on peut faire l'interpolation et donc on sait le nombre de personnes qu'il y a en fonction du nombre d'appareils qu'il y a selon l'heure de la journée, parce que peut-être le matin c'est plus les professionnels qui sont plus équipés en appareils. Bon. Voilà. Déchetterie, sympa les déchetteries. Ils ont pas forcément de Wi-Fi. Je parlais de l'organisation un peu plus tard, mais on a des partenariats. Enfin, dans les partenaires de déchetterie, il y a Bordeaux Métropole, donc ça va, c'est assez urbain. Mais après, on a d'autres partenaires, le Smigval, l'Ustom en Gironde, et c'est des zones plutôt rurales. Les déchetteries sont pas équipées de Wi-Fi, donc pour transmettre cette information, pour la récupérer en temps réel, pour l'afficher, il faut transmettre cette information. Alors on a fait un petit hack, on s'est énervé un peu fort, et la petite partie noire du capteur là, c'est une clé 3G. On met un petite carte SIM, petit free à 2 €, et hop, on a les SMS gratuits, enfin à 2 € par mois. Et donc le capteur, il mesure. On prend cette donnée, on la compresse très fort, on la met dans un SMS, on reçoit le SMS sur nos serveurs. Et puis après on a aussi codé un dashboard et on arrive à des trucs comme ça. Alors
Là, ce que vous voyez, donc c'est juste un tout petit dashboard qu'on a fait un peu rapidement. Faut pas tenir compte des noms et faut pas tenir compte du fait que la carte dit que c'est à Bordeaux, parce qu'en fait c'est pas du tout à Bordeaux. Ce capteur-là, donc en parallèle. Hans, on est à Futur en Seine aussi, au Challenge SNCF. Et donc on a installé un capteur à la Gaîté Lyrique. Donc là, ce que vous voyez là, c'est le en temps réel l'affluence de la Gaîté Lyrique depuis 11h50. Capteur. Alors, quelque chose qui est un peu important. La vie privée. Parce que c'est bien, on fait des capteurs, on chope des infos, mais ça peut être un peu intrusif. C'est-à-dire, on peut se mettre à faire pister les gens. Ah, lui, là, il est en telle déchetterie, puis dans celle-ci. C'est pas du tout notre objet. Ce qu'on fait, c'est on capte l'information, on enregistre le nombre de personnes et on transmet le nombre de personnes dans le capteur. C'est-à-dire que il ne sort du capteur, pour simplifier, c'est un tout petit peu plus complexe, mais il ne sort du capteur qu'un nombre et la date de mesure. Donc, on piste personne. Si on se fait hacker le truc, ou je sais pas, si quelqu'un écoute la communication, ou par SMS, peut-être pas non plus, mais bon, peu importe. Mais bon, c'est des considérations qu'on a en tête et qu'on a fort à préserver. Il y a un deuxième capteur sur lequel on travaille qui fait de la reconnaissance d'image pour mesurer les niveaux des capteurs. Alors le deuxième capteur, il y a une caméra. On fait de la reconnaissance d'image. Et je trouve pas la bonne photo, mais c'est pas très grave. Ouais, bon, enfin ça c'est le genre de photo, c'est le genre de photo qu'on a des bennes. Et on fait la reconnaissance d'image pour mesurer le niveau. Et on a le niveau 0, 1, 2, 3, 4, 5, juste pour se donner une idée. Voilà. Là aussi, caméra, c'est pas le genre d'objet qui plaît, parce que on peut très vite tracer les gens, reconnaître les plaques d'immatriculation. C'est pas notre objet. On est là juste pour mesurer des trucs. On utilise l'analyse d'image parce que c'est ce qui marche, mais on en a rien à faire de fliquer les gens ou quoi que ce soit. Donc là aussi, donc lui, il est encore en travail, ce capteur-là, mais enfin, on avait une première version qui est décédée par la foudre, et on bosse sur le deuxième. Voilà, lui aussi, il transmettra juste un nombre, enfin un nombre par bac et par type de bac, mais c'est tout. Donc ça, c'est pour la partie Internet des objets, capteurs, objets connectés, tous les mots-clés. Ensuite, on a tout ce qui est algorithme de prédiction, machine learning assez classique. On bosse sur l'application site mobile. Roxane qui est ici vient nous filer un coup de main sur tout ce qui est ergonomie, design, UX de ça. On va aussi appliquer tout un tas de habituellement tous les trucs un peu dégueulasses de web marketing dont le but c'est vous faire acheter plus, etc. On va essayer d'appliquer les mêmes techniques mais avec un autre objectif, faire que vous alliez moins à la déchetterie, essayer de pousser vers les gens un peu plus vers des alternatives qu'ils ont plus de chances d'accepter. Habituellement, Amazon fait ça, de la recommandation, mais c'est juste pour que vous achetiez plus. Le but, c'est que vous jetiez moins. Va y avoir une petite partie open data. Il y a à la fois beaucoup de choses et pas beaucoup de choses à dire. On va voir, mais on aimerait bien libérer tout un tas de données, notamment, on va avoir un accès. C'est-à-dire, les déchetteries elles-mêmes savent, étudient les bacs, et donc savent combien de gens jettent quoi, etc. Après, nous, c'est intéressant on va avoir un peu la même information, mais sur tout le territoire en entier, et normaliser, ce qui aide sur toutes les questions d'open data. Parce que c'est un peu un enjeu. Il y a plein de collectivités qui libèrent plein de données, mais l'open data est encore un mouvement jeune. Et on va y arriver. On va faire un dashboard. Bon, okay, là c'est juste pour un petit peu donner à tout le monde une idée de l'état des différentes déchetteries, faire des stats sur qui jette quoi, quelles sont les alternatives choisies, etc. C'est plus côté métier. Et les partenariats, là ça va être un gros boulot. On n'a pas encore commencé, mais premièrement lister toutes les alternatives à la déchetterie. Bon, local, en local pour commencer, et faire des partenariats pour, voilà, si par exemple il y a une boîte qui se spécialise dans réparer les vélos, ça, les gens, ils jettent assez facilement.
dans le bac à métal. Eh ben, si cette personne, si cette boîte qui répare des vélos, on peut lui dire, eh ben, tu sais quoi, nous, on a 20 personnes qui nous ont annoncé qu'elles voulaient jeter un vélo. Tu vas là, et là, tu vas pouvoir les récupérer. Ben, ça fait que les gens qui voulaient jeter, ils se bougent même pas. Le gars, il récupère 20 vélos d'un coup, alors que si on n'avait pas récupéré l'information, il n'aurait jamais pu le savoir. Enfin, voilà. Il y a plein d'avantages, et donc, il va y avoir des partenariats divers et variés à créer. Le succès du projet va dépendre pas mal de ça.